étant déraisonné ou incontrôlable en réaction à des situations particulières. Mais ici, il est question de culture du pouvoir. La difficulté d'avoir des biens pour Hamilton est la première canadienne à Toronto, enfin. Le changement de garde à la Maison-Blanche suscite de nombreuses réactions politiques au Canada, le plus grand partenaire commercial des États-Unis. Christian Noël, le premier ministre Justin Trudeau a félicité Joe Biden et s'est dit impatient de travailler avec sa nouvelle administration. À cette liste-là. Ça, c'est la liste des entités terroristes reconnues par le gouvernement canadien. Au front durant la pandémie ne s'applique pas à tous les travailleurs essentiels. Par ailleurs, le Québec se dirige vers une troisième vague de COVID-19 marquée par des variants beaucoup plus contagieux. Le dernier bilan fait état de 1009 nouvelles infections en hausse depuis quelques jours. La santé publique a bon espoir que les personnes... Plus particulièrement aussi le nombre de cas présents à l'unité des soins intensifs. Et on est aussi conscient qu'il y a du personnel de l'extérieur parce que, bon, vous ne voulez pas, un nombre de cas comme celui-là demande des ressources supplémentaires. Selon l'experte en santé publique Roxane Borges da Silva, le congé de Pâques risque de compliquer la tâche des autorités sanitaires, notamment au Québec.
Cuba. Ça, c'est intéressant parce que, évidemment, la culture s'exprime dans différents territoires, partout au pays. Ça se peut quand on peut y aller, quand il n'y a pas la pandémie, bien entendu. Oui. Mais il y a aussi là-bas le prospecteur, la petite microbrasserie. Adore. Ben voilà, Adore, ville de 2021. Absolument. Merveilleux. Alors, Félix, on va placer les références des sujets qu'on a abordés en direct de Rouen avec vous aujourd'hui. Voilà. Norbert, en terminant, une suggestion de parent, on va y aller rondement, un éditeur, un polar québécois. Oui, un polar qui est très bien, très original. Et... dernière journée du camp d'entraînement, est obligé de rendre des comptes à la Ligue et être en dessous de la masse salariale. Comment ils ont fait? Mais oui. Et on verra bien, mais là, pour l'instant, la Ligue donne son accord et, vraisemblablement, il y aura du hockey de ce côté-là l'année prochaine. Félix, ça n'a pas bien été pour Eugénie Bouchard. Rompu mineur comme un câble de fil de fer. C'est ça. Et donc, vous, dans votre guide, vous voulez amener les enfants à travailler en créant, mais autour des animaux aussi. Comment, qu'est-ce que vous les incitez à faire quand vous faites des ateliers? Mon temps, là, c'est simple. C'est ce que mes ministres me chargent à chaque fois qu'ils voyagent. Ah oui, hein? Et vous entendez faire respecter la quarantaine? Pas seulement la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine aussi. Il est temps qu'on respecte tout le monde. Oui, et le Canada vient aussi de désigner les Proud Boys comme un groupe terroriste. Oh. Ma gang de bonjour, vous autres! Oh, attends un petit peu. Alain, tu peux te faire jouer du 31? Oui, oui. Qu'est-ce que c'est, Serge? On va jouer la scène d'arrestation du chef des motards, François Lebel. Là. Et une fois... Le maire de la ville de Mont-Royal, Philippe Roy, prévoit consulter sa population avant de prendre une décision. Si jamais on se rend à l'étape de changer le zonage pour permettre du résidentiel, il faudra à ce moment-là, c'est que l'agglomération de Montréal doit procéder à la modification du schéma d'aménagement. Donc, cet artiste-là, François-Marie, il fait partie de l'écurie Domino, qui est une étiquette anglaise. C'est le seul artiste français de cette maison de disques-là. Et la jolie ballade du souvenir, mais pas tant dans la mélancolie ou la tristesse. Je vous fais écouter un rester comme expression. Alors voilà, et pour le disque Banane Bleue, bien, c'est un peu dommage qu'il y ait tant de paroles. 95 ans, dans le Grand Montréal. Depuis le début des variants, c'est plus de 700 variants dans la région de Montréal. Nous avions, la semaine dernière, les variants représentaient 12% des nouveaux cas. Puis on vous promet la semaine prochaine d'arriver avec un plan complet de déconfinement progressif dans le secteur du sport qui est tellement important pour la santé mentale. On ne veut évidemment pas que des événements comme ceux du 6 janvier puissent se reproduire. La sécurité sera de nouveau augmentée autour du Capitole. Maître Goldwater veut à nouveau changer le Code civil du Québec et accorder les mêmes droits aux personnes en union libre. C'est-à-dire que l'utérus, il était vu comme un être vivant à part entière et non seulement ça, il se promenait à travers le corps. Ont déjà été rappelés au travail. Ici Mélia Médaya, Radio-Canada. On va gagner mon 9e globe de cristal. Là, après ça, pour moi, je m'en vais en Suède, mais c'est juste...
Ce n'était que moi, mais ce n'était que toi et moi. La lune, les étoiles. De la soupe à l'étouffard, au pain, aux marinades, au même petit pot de thé, au même petit rouge. Alors, c'est vraiment un repas complet pour 25$. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'à la boutique, on fait entrer un client à la fois. Et Mme Danco me disait, on désinfecte comme on n'a jamais désinfecté dans notre vie seule. On ne pourra certainement pas éviter une contraction vertigineuse de l'économie. Ailleurs dans le monde. C'est en Chine qu'on vous emmène ce soir à l'international, berceau de la pandémie. Le gouvernement du Québec souhaite que les étudiants post-secondaires commencent progressivement à reprendre leurs cours, mais de manière virtuelle, à partir de lundi. J'ai rêvé que je t'aimais, j'ai rêvé que tu m'aimais. J'ai rêvé qu'on s'aimait, j'ai rêvé que c'était vrai. À vacciner beaucoup de gens dans les 100 premiers jours de sa présidence, mais de toute façon, il faut atteindre les objectifs en matière de vaccination. Et Johnson & Johnson devait pouvoir livrer 12 millions de doses à la fin février. On était à 4 millions. Fin février, ça a été l'autorisation officielle par la FDA aux États-Unis pour le vaccin de Johnson & Johnson, mais quand même, on s'attendait à ce que les 12 millions de doses soient prêtes à livrer. Elles ne l'étaient pas. Je voulais pouvoir lui dire, non, c'est, j'ai fait deux fois dans un club, puis ça a fonctionné, tu sais, donc...